Aujourd'hui, je serai enfermé dans une prison en carton pendant 24 heures. Il s'agit d'une reproduction parfaite d'une vraie cellule de prison. La seule différence, c'est que tout est en carton. Mon défi sera de réussir à m'échapper de cette prison en carton avant la fin des 24 heures. Pour rendre ce défi encore plus difficile, Lurie a préparé une boîte bonus et à chaque heure de ce défi, je devrai piger dans la boîte bonus. Cette boîte peut soit m'aider comme me donner droit à un outil supplémentaire ou soit me nuire. Si je réussis à m'échapper avant la fin des 24 heures, c'est Lurie qui devra passer 24 heures dans cette prison en carton. Mais si j'échoue, je devrais passer 24 heures dans une vraie prison. Le 24 heures commence maintenant. Alors voici la prison dans laquelle je vais être pour les prochaines 24 heures. Tout est en carton, même la toilette. Oh, regardez ici, il y a un lit. Le lit est aussi en carton. Attendez, on va le tester ensemble. Oh, oh c'est pas très confortable. Oh, ça fait mal au dos. Oh, je pense que j'ai brisé le lit. À savoir que les murs de cette prison sont quand même très solides. Alors, est-ce que ça marche? Non? Bon, malheureusement, ça ne marche pas. Alors, premièrement, je dois trouver un moyen de me débarrasser de mes menottes. Non? Attends, comment je peux faire? Comment je peux les enlever? Non, ça ne marche vraiment pas. Bon, dis-moi, sont où les clés des menottes? J'ai caché les clés des menottes dans la prison. À toi de les trouver. Où dans la prison? Faut que tu les trouves. Non! Alors, ma copine Lurie me dit qu'elle a caché les clés dans cette prison. Alors là, je vais devoir les trouver. Où est-ce que tu as pu mettre les clés? Peut-être ici? Non. J'arrive pas à trouver les clés. Peut-être ici? Non? Ok, bon, ça part très très mal. Continue à chercher. Bonne chance. Attention! Non! Ok, bon, sont où? Sont où les clés? Cherche. J'ai débouché la toilette. Oh! Oh, mais attends, mais ils sont là! Ah! T'as trouvé les clés? Oui! Alors, j'ai trouvé la clé. Elle est dans la toilette. Ok, je l'ai. Oh my god, il y a de l'eau de toilette. C'est dégoûtant. Mais j'ai la clé juste ici. Oh, alors je vais enlever les menottes. Première étape. Let's go! Maintenant, c'est l'heure d'essayer de trouver une façon de s'échapper de cette prison en carton. Alors, comment est-ce que je peux m'échapper de cette prison? Attention! Ça fait une heure que tu es dans la prison. Alors, tu dois piger dans la boîte bonus. Oh, ok. Parfait. Attention. Ok, j'en ai un. Cuillère en plastique. Hein? C'est quoi ça? Tiens. C'est ça? Bye, bonne chance. Mais pourquoi? Non, 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 non! Allô? Allô? Non, 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 non! Non! Donne-moi la cuillère! Donne-moi la cuillère! Non! Donne! Ok. Je suis supposé faire quoi, moi, avec une cuillère en plastique? Manger de la soupe? Je peux peut-être me servir de la cuillère de plastique pour creuser un trou dans le sol! Attendez, non, mais c'est impossible. Oh non! Oh merde! J'ai cassé ma cuillère. Sur le carton, il y a du ciment, alors c'est impossible de m'échapper. Comment je vais faire pour m'échapper d'ici? Non, mais en vrai, les prisonniers font quoi dans les prisons? C'est tellement ennuyant, y a rien à faire. Je pense que je vais tester les toilettes. Attention, ne regardez pas. Je pense que je vais faire pipi. Regardez qu'est-ce que Will fait. Will, qu'est-ce que tu fais? Arc. Je fais rien, non, j'ai examiné la toilette si tout était en ordre. Est-ce que t'étais en train de boire l'eau des toilettes? Non. Je vais te poser trois questions sur moi. Si t'as les trois bonnes réponses, je te donne une hache. Non, non. C'est quoi les questions? Alors première question, quelle est ma couleur préférée? Facile pourtant. Le rose. Oui. Yes. Une bonne réponse. Deuxième question, quel âge que j'ai? Ben là, c'est facile. Et là, t'es 21 ans. Oui, ok. Oui. Dernière question. Quelle est ma date d'anniversaire? Oh non. Oh non. Oh non, attends, non, non, mais j'ai oublié. Oh non, mais j'ai complètement oublié. C'est le 10. Le 10 février? Non. Oui! Non. Ah non, c'est le 6. Oui, le 6 février. Tu as dit le 10, c'est pas une bonne réponse. Oh non. 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 Bye bye! Puisque t'as vraiment l'air à t'ennuyer, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Je vais te donner un jouet. C'est quoi, un drone? Oh! Attends, mais c'est trop cool! Ça devrait te désennuyer un petit peu. C'est un mini drone! Comment ça marche? Oh! Oh! Oh, mais. Oh, oh! Attends, mais c'est trop. Mais c'est trop stylé! Oh! Ah! Attends, mais c'est trop cool! Oh! Oh! Je vais essayer de m'échapper avec le drone. Ça ne fonctionne pas.
elle est brisée. Non. Donne-moi un autre jouet. J'en ai pas avec moi. Bon, alors je vais jeter le drone aux toilettes. Voilà, je dois vraiment trouver une façon de m'échapper d'ici. Le temps avançait et je n'avais aucune idée comment j'allais m'échapper avant la fin des 24 heures. J'étais dans cette prison depuis 2 heures et j'étais en train de perdre la tête. Ça fait maintenant 2 heures que tu es dans la prison. C'est l'heure de piger dans la boîte bonus. Ok. Coffre à outils. Oh! Ça veut dire que je vais avoir des outils? Oh, j'ai la visite! C'est ton coffre à outils? Attends, c'est quoi? Mais... Attends, mais c'est pour enfants? Non, mais c'est même pas un vrai coffre à outils. C'est des jouets. Oh non, mais je suis en train de briser l'outil. Oh non! Bon. Oh, mais ça a marché! Oh, mais j'ai fait un trou! Pour t'échapper de la prison, je te donne un indice. Il y a un conduit d'aération. Si tu le trouves, tu peux l'utiliser pour t'échapper. Il y a un conduit d'aération. Quoi? Comme Laurie a dit, je dois trouver le conduit d'aération dans la prison. Où est-ce qu'il peut bien être? Où est le conduit d'aération? Non. Le seul endroit que j'ai pas fouillé, c'est ici. Moi, je pense que le conduit d'aération est derrière le lavabo. J'ai raison. Oh oui! Alors ici, il y a une trappe. Est-ce que c'est ça le conduit pour s'échapper? Regarde. Non, mais il n'y a rien. Mais il y a un X. Ça veut dire quoi ça? Il y a un X. Ça veut dire qu'il faut que je creuse juste ici. C'est ça? Peut-être. C'est ça? C'est ici? Oui! Oui, c'est ici pour m'échapper. J'ai une scie. Oh oui, regardez! Ça marche pour vrai, je suis capable de scier avec ça! Je dois vraiment m'échapper avant la fin des 24 heures parce que je ne veux pas passer 24 heures dans une vraie prison et je veux que ce soit Laurie qui soit enfermée ici pendant 24 heures! Est-ce que tu penses que je vais réussir à m'échapper? Non. Quoi? Yeah! Ah, c'est dur, c'est dur! Pendant que Will est occupé à creuser son trou, je vais ouvrir la porte de la prison pour lui laisser l'opportunité de s'enfuir. Hey, t'as pas réalisé que la porte était ouverte? Hey! Non! Non! Trop tard! Non! Trop tard! Non! J'étais trop concentrée à creuser mon trou! Bon, Will, ça fait maintenant 3 heures que t'es dans la prison. Tu dois figer dans la boîte bonus. Ok. Pendant 10 secondes. Oh! Attends, ça veut dire que j'ai le droit à une scie? Oui. Mais non, pas une scie, pas ça, là. Une vraie scie. Oui, une vraie scie. Let's go! Mais là, t'as le droit d'utiliser juste pendant 10 secondes. Ok. Alors, je vais creuser juste ici. T'as 10 secondes pour utiliser la scie. 3, 2, 1, c'est parti! Allez, oui! 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 Wow, j'ai creusé une bonne partie! Je vais devoir creuser ici la deuxième couche de carton. Alors je savais pas qu'il y avait deux couches de carton. Et je vais aussi devoir agrandir le trou. Mais bon, la scie m'a beaucoup aidé. C'est ici le conduit d'aération, c'est par là que Will va s'échapper. Alors c'est l'heure du repas pour le prisonnier Willy Bed. Donc ici j'ai une boîte de pizza et sous la boîte j'ai scotché un couteau. S'il trouve le couteau, il va pouvoir s'en servir pour s'évader. Mais je sais pas s'il va le trouver. Je commence vraiment à avoir faim. J'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Oh, c'est une pizza? Oui, c'est l'heure de manger. Okay. En plus, c'est ma pizza favorite, Salvatore. Oh, c'est délicieux. Est-ce que c'est bon? Ouais, très très bon. La nourriture de prison, c'est délicieux. Je n'avais aucune idée que Laurie avait scotché un couteau sous la boîte de pizza, ce qui m'aurait permis de m'échapper en quelques minutes. Il y a une troisième couche. Je pourrais jamais m'échapper avant la fin des 24 heures. Pour rien. Ça avance? Oui, ça avance bien, mais pourquoi tu ris? Pour rien. T'as encore faim? T'as pris la boîte puis tu riais. Ben, rien. Tu es très suspecte. Supposément que l'outil le plus utilisé par les prisonniers pour s'évader de prison est la cuillère. Et moi, j'ai une scie en plastique. Et je suis incapable de m'évader d'une prison en carton. Je suis complètement nul comme prisonnier. Pendant la quatrième heure, j'ai réussi à agrandir le trou et j'étais sûr que j'allais pouvoir m'échapper en quelques minutes. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait pour la prochaine heure. Oui. Ça fait 5 heures que t'es dans la prison. Lève-toi, c'est le temps de piger dans la boîte bonus. J'espère que ça va être un bon outil pour vrai. Mais s'il vous plaît, quelque chose de bon. Main attachée. Non! Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vas passer la prochaine heure les mains attachées. Quoi? Non! Comment est-ce que je vais faire pour creuser mon trou? Ouais, bon, voilà. C'est parti. Regardez-moi bien aller. Bon, je vais faire croire à Will que je m'en vais aux toilettes, mais en réalité, je vais le laisser tout seul dans la prison pour la prochaine heure. Fait qu'on va voir comment il va se débrouiller. Non.
je venais juste ici pour te dire que je m'en vais aux toilettes. Ok. Bye. Bon, bye. Ok, mais reviens bientôt. Oui. Pendant que Will est seul dans la prison, moi, je vais tout simplement quitter sa maison, mais sans lui dire. J'essaie d'enlever le scotch, mais je suis incapable. Est-ce que c'est de la triche si je le... J'essaie de le casser? Non, c'est impossible. Ah! Il faudrait des ciseaux ou un couteau. Bon, ça fait 20 minutes que je suis partie de la maison, puis je me demande vraiment qu'est-ce que Will est en train de faire. Ah! Ah! Magnifique. Je me sens comme un mal de le laisser tout seul, honnêtement. Fait que je pense que je vais retourner à la maison. Laurie? Laurie? Je suis littéralement inquiet. Laurie? Attends, mais j'espère que c'est pas une blague qu'elle me fait. En même temps, je lui ai fait plusieurs blagues. Je l'ai déjà ignoré pendant 48 heures. Je lui ai déjà fait croire que j'ai disparu pendant 48 heures. Fait que pour vrai, j'espère que c'est pas une blague parce que ce n'est pas drôle. Bon, alors ça fait presque une heure que je suis partie. Là, j'ai mis d'arriver chez Will. C'est l'heure d'aller voir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la prison. Laurie? C'est pas drôle! Hé, on l'entend? Laurie! Allô? Allô? Hey, mais ça fait une heure que je t'attends! Qu'est-ce que tu faisais? Toi, t'as fait quoi pendant une heure? Ben moi, je me demandais, là, Oh my god! Qu'est-ce que t'as fait? Ben voyons donc! J'ai joué avec le papier de toilette. Non mais je me demandais où t'étais! Là je commençais à m'inquiéter, j'allais défoncer la porte! Wow. J'ai pas été capable. Eh hey, mais c'est donc bien le désordre ici! Qu'est-ce que t'as fait pendant mon absence? J'étais en train de perdre la tête! Il serait juste la troisième couche à briser. Ouais, exactement. Ça fait une heure là. On peut enlever ça? Oui! Parfait! Wow. Je suis revenue juste à temps pour te faire piger dans la boîte bonus. Ouais. T'es prêt? Ça fait déjà 6 heures que t'es ici. T'es pas encore sorti de ta cellule. J'en peux plus d'être ici. Ok. 3 coups de hache. Oh yes! Oh. Bon, enfin, du positif dans ma vie. Et voilà. Ok, alors j'ai droit à 3 coups de hache. Allez, maintenant, le but, ça va être de défoncer le conduit d'aération juste ici. Ok, allez, je vais vraiment me concentrer pour mes coups de hache. T'as le droit d'en donner 3. 1. Oh! Oh, wow! 2. 3. Ok, bon, c'est les 3 coups de hache. Attendez, mais j'ai... Oh oui, mais c'est le conduit d'aération, oui! Allez, je dois m'enfuir par là. Regardez ça. Il est ici, le conduit d'aération. Mais là, je suis beaucoup trop grand pour passer par ce trou. Je dois vraiment l'agrandir. Et je dois faire vite. Bonjour! Allez. Ok. Oh wow. Il reste encore le grillage ici à couper. Et il y a un autre grillage plus loin. Ah, c'est difficile d'être un prisonnier. Pendant que Will est toujours dans la prison en train d'essayer de s'évader, j'ai décidé de lui jouer un tour. Donc, je vais aller placer une fausse coquerelle près de lui. Et quand je l'allume, elle bouge et elle avance tout seule. Donc, on dirait vraiment une vraie coquerelle. Donc, on va voir sa réaction. Puis, ça avance bien? Oui, ça avance très très bien. Je vais sûrement m'échapper bientôt. Oh. Wow, 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 non, 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 non! Ah! C'est quoi ça? Oh my god! Oh, non, 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 hé, hé! Là, le temps, il avance, j'ai plus de temps, là! Laissez-moi tranquille! Je dois maintenant me dépêcher. Il faut pas avoir peur des endroits restreints parce qu'ici, c'est très, très petit. Il n'y a pas beaucoup de place. Ah, ok. Will? Quoi? Viens ici. Quoi? Je suis occupé. Ben, il faut que tu piges dans la boîte bonus. Pour vrai? Ouais. Ah, je suis complètement épuisé. Allez, quelque chose de bon, s'il vous plaît. Une heure restante. Oh, ça veut dire qu'il te reste juste une heure pour t'échapper, sinon tu perds le défi. Quoi? Ouais. C'est une blague? Non. Ok, bon, là, j'ai besoin d'un autre outil. Oh my god! Oh, mais c'est pour ça que tu riais tantôt! Je me demandais quand t'allais le trouver. Oh, mais il y avait un couteau pendant tout ce temps! Oh my god, ok! Je vais m'échapper dans les prochaines minutes. Oh, mais ça coupe trop bien! Oh oui! Oh, ok. Ouf. Oh. Ok, je suis en train de m'évader. Je dois m'échapper au plus vite. Il me reste moins d'une heure. Ok, allez. Ok, je vais m'échapper. Allez, allez, j'y suis presque. Allez, je vais m'échapper. Comme ça, c'est Laurie qui va devoir passer 24 heures dans la prison. Oh, oh oui.
Oui! Yeah! J'ai réussi à m'échapper de cette prison en carton, ce qui veut dire que ce sera au tour de Laurie à passer 24 heures dans cette prison. Dites-moi en commentaire si Laurie doit passer 24 heures dans cette prison. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Peace out tout le monde!